Je chope les arachides, je chope les arachides. Bonjour à toute la famille, à toutes les diasporiens et les diasporiennes. Bonjour, je chope les arachides. Zogi MC. Dans quelques jours, je vais vous présenter le seul artiste qu'on a à Jakarta, en Indonésie. Il s'appelle Zogi MC. Voilà. Il est installé ici, là. Il a sa famille ici, la femme et enfant. Voilà. Donc, dans quelques jours, là, je vais faire la promotion des hommes d'affaires, les citizens, Cameroonian citizens in Indonesia. Donc, c'est un concept que je vais créer dans quelques jours. Pour montrer un peu le quotidien des Camerounais en Indonésie. Voilà. La famille, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tout le monde. Moi, de mon côté, ça va, je me bats comme je peux. Pour joindre les deux bouts, c'est pas facile, quoi. On peut m'entendre dehors. Voilà. Pendant qu'on se réveille ici, là-bas, c'est la nuit, les autres se préparent à dormir. C'est ça la vie. Et c'est comme ça même notre vie, la chance. Notre chance ne viendra pas le même moment. La vie, c'est ça. Chacun aura son tour chez le coiffeur. Chacun aura son tour. Et attends le tour de Dieu. Ne te presse pas. Si tu te presses, tu vas sauter sur ta chance. Si tu te presses, tu vas sauter sur ton tour. Et quand ce n'est pas ton tour, on te donne ce que tu ne mérites pas. Voilà. Donc prends ton temps, petit. Prends ton temps. Prends ton temps, petit. Petite soeur, prends ton temps, ce n'est pas la course. Ouais, c'est quoi avec toi? On te dit qu'on va te marier, tu cours. On te dit qu'on va te marier, tu cours. C'est quoi? C'est quoi nos jours d'aujourd'hui? La sorcellerie, ce n'est plus seulement au village. Hein. Même la sorcellerie, on te donne le mauvais homme de ta vie. Un mauvais gars. Avec lui, là, il va te faire pleurer. Hein? Et la seule chose qui va te rester, c'est le suicide. Tu vas mourir. Tu vas mourir parce que tu as honte, tu ne peux plus te reculer. Tu as déjà tellement tout dit à tes parents. Il t'a tellement miroité le paradis. Alors que lui-même là, lui c'est l'enfer en fait. Voilà. Lui il est l'enfer, il te fait miroiter le paradis. Donc voilà, le thème de ce direct, de ce matin, je préfère bêta, ma fille reste bêta que ma fille reste célibataire. Que d'avoir un mari irresponsable. Ah ouais, ouais. Bêta, ma fille reste célibataire. Que d'avoir un mari irresponsable. Moi, j'ai les filles, non? J'ai beaucoup de filles. Je dis toujours, je répète. Bêta, que ma fille soit même la tisa d'un responsable. D'un responsable. Ok? Écoute-moi bien. Bêta, que ma fille soit la tisa d'un responsable qui va s'occuper de ses enfants. Que d'être la femme. Un irresponsable. Attendez. Un gars irresponsable, il épouse ta fille. Ta jolie fille devient moche. Elle devient affreuse. Elle n'a aucune valeur. Tu commences à regretter. Mais tu ne parles pas. Parce que mouillé, c'est mouillé. Elle ne peut plus retourner. Et l'irresponsable est tellement malin quand il veut quelque chose. Il faut fuir dans la famille. Il se fait connaître par tout le monde. Il s'affiche partout. Tu ne sais pas le pire qui t'arrive. Parce que c'est un irresponsable. Un irresponsable, c'est un profiteur. Il ne pense à personne. Sauf à lui-même. L'irresponsable. C'est quand il part dehors, il ne cherche pas à savoir. Que non, je dois porter le préservatif. Non, l'irresponsable, quand il va dehors, là, il ne connaît pas là. Il ne connaît pas qu'il faut qu'il porte le préservatif. L'irresponsable, d'abord, il ne fout rien. Il profite seulement. Et encore, tout ce qui est mauvais, il l'amène dans la maison. C'est lui qui va aller choper la maladie là-bas, venir contaminer ta fille à la maison. Un irresponsable. Petite soeur, si tu es un irresponsable, il est temps pour toi de sortir de là. Si tu as un copain irresponsable, connais que voilà un futur mari irresponsable. Je refuse les irresponsables dans ma vie. Bêta que ma fille reste célibataire. Que d'avoir un mari irresponsable. Bêta ma fille est tisa d'un responsable. Mais je vous ai dit non. J'ai un ami que sa mère était tisa. Mais aujourd'hui c'est un patron.
Elle était tisa d'un responsable. Et le responsable, là, ils ont fait 4 enfants. Mais oui. Fais attention. Un responsable, c'est quelqu'un qui produit les enfants responsables de demain. Hein. Et les enfants de demain, là, il n'y a aucune différence avec les enfants de la maison. Hein. Parfois même là. Parfois là même. Ce sont eux qui font honneur à la famille de cet homme-là. Mais oui. Souvent même, c'est les enfants du dehors là. Que les enfants de la maison vont souvent chercher. Et j'ai mon grand frère là-bas. Hein. J'ai ma grande soeur là-bas. Oui, la vie c'est ça. La vie c'est ça. L'acte de mariage, ce n'est qu'un document. Alors, qui légitime la vie entre deux personnes. L'acte de mariage ne change pas le caractère d'une personne. L'acte de mariage, c'est un document. Hein? Qui autorise, qui légitime la vie entre deux personnes. C'est tout. À part ça, il y a quoi dedans? Ça ne change pas le caractère de quelqu'un. Si quelqu'un est irresponsable, c'est un irresponsable. Oui, si quelqu'un est gigolo, il va rester gigolo. Donc arrêtez les débats à deux balles. Comme Banga, grand frère, tu dis quoi comme ça? Oui, j'assume ce que je dis. Moi-même, j'ai les filles. Dans nos familles, on connaît les situations que vous, on ne peut pas parler. Donc calmez-vous. Il y a des irresponsables. Il fait 5 enfants là-bas chaque jour. C'est-à-dire que ta soeur est mariée, mais la nourriture sort que tout de la maison de ta pauvre mère. Donc ta pauvre mère ne se repose pas parce qu'elle a les bouches à nourrir. Elle a les bouches à nourrir. Pas que ce sont ses enfants. Non, c'est les petits-enfants. Oh non, c'est en Afrique, c'est les petits-enfants. Mais ça ne doit pas être une obligation. Arrêtez de fatiguer nos mamans. Oui, on passe le temps à fatiguer nos mamans. Nos mamans meurent souvent la fleur de l'âge. Déjà d'abord, en tant que veuve, veuve d'abord, à son âge déjà avancé, elle est obligée encore de porter encore les charges qu'elle ne mérite plus. Comment? Comment tu as fait 5 enfants, tu as élevé 6 enfants, tu as élevé toi seul, sans ton mari. Voilà ta fille qui part dehors encore porter 5 enfants. Hein? Parce qu'on avait dit que non, le mariage. Elle est partie se marier avec un irresponsable. Le voilà, il ne fout rien. Non seulement, elle porte ses 5 enfants qu'elle a fait avec lui. Après ça, elle porte encore ses 3 enfants que le bon monsieur a fait dehors. Et qui n'assume pas toujours. Ce genre de personne-là, tu pars où avec lui? Ce genre de personne-là, tu as quel avenir avec lui? Mais oui, tu fais quoi avec le genre d'homme-là? Un irresponsable. C'est quelqu'un qui il te transforme, tu deviens la honte, la risée de tout le monde dans la cité. Il ne paye jamais rien à temps. Même la facture de lumière, il faut qu'on coupe pour qu'il réagisse. Tu demandes même des bouchettes d'allumettes. Un irresponsable ne pense qu'à lui seul. C'est un égoïste. C'est le seul homme qui se lève un matin pour ses envies personnelles. Il se lève un matin, il vend sa maison. Il vend sa maison. Sans demander à sa femme, sans avoir besoin de l'avis de sa femme. Il s'en fout. Il oublie que non, une maison familiale peut aider même un cousin, un neveu qui est de passage. Il s'en fout. Il pense qu'à lui seul. Il se lève, il vend la maison familiale. Il a le courage. Il rentre se coucher chez ses parents. Les enfants vont se battre. Maintenant, ta fille maintenant a se battre. Lui-même, il connaît la guerre qu'il y a entre sa femme et sa propre famille. Lui, il porte son sac. Il part dormir chez ses parents. Ta femme va dormir. Non. Voilà, c'est le qui mieux. Un irresponsable. Non. Allez, je ne lève pas, mon frère. Mais non. Même les amis irresponsables, je ne lève pas. Il ferme tous les oreilles. C'est quand ça les concerne que non. Il est prêt à pleurer devant tout le monde. Ah, pardon, un irresponsable. J'ai le temps avec ça. Irresponsable. Paf. Non, faut. Bête à que ma fille soit la tisa d'un responsable qui va envoyer ses enfants à l'école. Attendez, mais je connais beaucoup de soeurs, non? J'ai une soeur qui a 5 enfants. Les gens l'insultent que tisa. Mon ami. Elle est bien. Elle vit bien. On s'occupe bien d'elle. Alors, c'est un monsieur, quand il parlait souvent dans les médias, je le détestais. Mais depuis le jour que j'ai découvert que... Le jour qu'elle m'a dit que... Chérie, mon frère, tu es mon frère. Tu es mon frère, chérie, non? Tu sais que le père de mes enfants, c'est monsieur tel. Les gars, bon. Merde. Ah, et que non, le père de mes enfants, c'est lui-là. Le monsieur que tu vois là. Ah bon? Mais nickel. Toujours, Charlie, belle femme. Non.
La joie de vivre. Alors, alors ce qu'on appelle responsable. Regarde, je suis le mari, m'a fiché le camp avec ça. Mari irresponsable. Tu vas me fabriquer, tu vas transformer ma soeur, elle va devenir laide. Connais les filles ici dehors, à nos jours d'aujourd'hui, qui sont devenues l'ombre d'elles-mêmes. Elles pleurent, elles font pitié. L'homme peut parler. Au départ, on jubile. Oh non, c'est elle, elle. Ma fille est mariée. C'est elle, elle. Oh, ma fille est mariée. Hein? Les années plus tard, la honte. Ouais. Regardez bien souvent quand votre fille épouse un irresponsable. Quand ça commence, on est fier parce qu'il a épousé votre soeur. Et vous allez souvent voir, c'est un calculateur. C'est lui qui active votre soeur à la mairie. Il active votre soeur à la mairie. Parce qu'il joue sur l'intérêt. Il voit le derrière de la fille. C'est lui qui tire la fille à la mairie. C'est quand que vous allez le présenter au départ à tout le monde. Il montre toutes ses bonnes qualités. Le jour qu'il a signé là, vous commencez à ne plus parler de lui. Donc même quand on le demande parfois là, toi le beau-père, tu dis que, ah, tu sais que comme il voyage trop là, il ne voyage pas. Le beau là est toujours là. Il se couche à la maison, il fume la cigarette, il boit le café, il ne fout rien. Oui. Est-ce que vous ne le verrez jamais participer dans la famille? Il est une source de malheur dans votre famille. Depuis qu'il avait votre fille. Et tout ça, c'est les choses qu'on voit au départ. Hein. Vous voyez souvent les choses de la soeur disparaître à la maison. Les choses de la mère disparaissent. On ne se pose pas la question que qui a pris ça. Non, c'est la fille qui a pris. Voilà un monsieur qui a consommé. Votre soeur en voleuse. Elle vole les choses à la maison. Les choses disparaissent. C'est votre soeur qui prend. Mais oui. Elle vole même les chaussures de ses frères pour aller donner à son soi-disant copain irresponsable. Ma chérie. Il est temps pour toi de laisser ce genre de garçon là. Voilà. C'est un garçon princesse. Il ne fout rien. Il ne peut vous amener nulle part. Vous n'irez nulle part. Même si vous avez même 100 enfants. Non. Tu vas stresser. Et tu vas mourir. Fais attention. Ce qui me plaît avec ces gars, c'est les gars qui ne meurent pas vite. Hein. Ah, puisqu'il n'a pas de soucis. Non. Oh oh. Il confie toutes ses charges aux autres. Lui il s'en fout. Moi je complice. Je suis violent dans ma famille. On me connaît comme ça là. On me connaît. J'ai compris les stratégies. J'ai vu, j'ai compris. C'est les gens qui ont toutes les charges, toute leur vie. Ils sont calculateurs. Ils sont au courant de ta vie. Ils sont au courant des rapports que sa femme a avec ses frères. Ils connaissent où toucher. Ils connaissent ce qu'il faut dire. Ils forment. Ils forment. Ma chérie, il a encore temps de porter vite tes enfants. Tu fuis avec quand ils sont encore petits. Parce que. Ne fais pas ce que le comportement, le caractère du père de tes enfants contamine tes enfants. Parce que c'est un mendiant, c'est un irresponsable. Et tes enfants vont aussi être la même chose. Donc il est temps de porter tes enfants. Comprendre vite que, hey, je suis du côté fort. Je ne vais pas tout prendre chez mes frères. Depuis combien d'années? 5 ans, 10 ans. Attendez, 20 ans déjà. Il a encore temps. Parce qu'un enfant... On peut l'éduquer quand elle est encore petite. Mais quand elle est là, grand là, il va prendre le caractère de ses parents. Voilà pourquoi en Occident, les Occidentaux sont capables de tuer tous les parents. Adopter les petits-enfants. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils vont donner l'éducation aux petits-enfants. Mais oui, parce que l'homme, c'est son éducation. Quand vous voyez les légionnaires là, vous voyez, tu vois, quand tu passes souvent là, tu vois les petits Africains là qui sont dans les légionnaires. Vous voyez, ceux qui sont là, grand ont les mentalités à part. J'ai connu un groupe de légionnaires en Centrafrique, à Birao, la zone minière. Ceux qui sont entrés parce qu'ils vont avoir les papiers ont leur caractère à part. Le cerveau est dur. Mais ceux qui sont entrés dans les légionnaires, hein, ou bien dans l'armée française étant petit, mon ami, ils sont différents. Ils ont une mentalité à part. Il est français. Il est américain. Il n'a rien. Attendez, tu parles de l'Afrique. Est-ce qu'on a... D'autres ne sont jamais allés. Donc, il sait qu'il est là pour son pays, la France. Il est là pour son pays, les États-Unis. C'est clair. Donc, c'est pour dire, ma chérie, il a encore temps pour toi de porter tes enfants et demander la séparation. Hein? Parce que d'abord, il n'a rien. Il n'a rien que vous allez toucher au tribunal. Donc, il est mieux que c'est toi qui partes au tribunal demander que je vais divorcer. Mais c'est clair. Parce que ça ne sert à rien de se marier. Un homme monte sur toi chaque jour. Il mange. Il mange, il te chicote, il mange. C'est tes frères encore qui l'aident. Comment? Et vous allez voir le genre de personne, il est arrogant. Il est arrogant.
Il est insolent. Arrogant, insolent. Il s'en fout que si ses enfants vont à l'école, c'est à cause de sa belle famille. C'est grâce à sa belle famille que ses enfants vont à l'école. Lui, il s'en fout. Il crée le chaos à toute heure. Il s'en fout. Il se passe pour quelqu'un qui n'est pas un irresponsable. Faites beaucoup attention. Je préfère que ma fille reste célibataire que d'épouser un irresponsable. Parce que c'est la mort subite. Voilà. C'est la mort subite. Voilà. C'est quelqu'un que n'attendait jamais rien de lui. N'attendait jamais qu'il y aurait un malheur dans la famille. Lui va donner sa participation. 10 000, 20 000. C'est quelqu'un qu'on ne peut jamais présenter une action qu'il a menée. Non, non, non. Toujours, c'est sa femme. Soit c'est sa femme qui a pris à son frère, lui donner. Que chérie. Même le jour de la dot. C'est la belle-mère qui prête l'argent. Mais oui. D'abord, un irresponsable. Parce que quoi? Quelqu'un qui t'aime automatiquement doit être responsable et faire les efforts. Mais comme un irresponsable n'aime personne, même l'amour même ne l'envahit pas. Même l'amour ne le domine pas. Un irresponsable, c'est un égoïste. C'est un ingrat qui s'ignore. C'est une maladie. Puisqu'on dit que l'amour rend aveugle, même l'amour ne change pas son caractère. C'est comme ça qu'il est. Ce sont comme ça. Ce sont comme ça. C'est clair. Et ceux que je souvent conseille, porte-moi les enfants, là, rentre à la maison. Elles ont fait ça, elles ont réussi. Parce que même tes enfants vont vivre comme les pères. Ils vont croire que non, c'est une obligation que mon oncle m'aide. C'est ça. C'est là où les problèmes commencent souvent. Le genre de monsieur irresponsable, les parents irresponsables. Son seul travail qu'il sait faire, c'est le commérage. Taper sa femme, botter un peu le ventre de sa femme. Rien, chérie, c'est comment? Il te voit en route, il ne te salue pas. Mais il a les informations sur toi, minute by minute. Minute by minute. Un genre d'homme comme ça, là. Il ne fait jamais rien que ça échoue. Il ne fait jamais rien que ça réussit. Jamais. Il ne fait jamais rien que ça réussit. Parce qu'il aime la vie, mais en cachette. Il aime la vie en cachette. Il fait ces choses que derrière, derrière. Mes chers frères et sœurs. Donc, il faut éviter. Ma chérie, moi, j'ai les filles. Mais quand ma fille reste célibataire, que d'épouser un homme irresponsable. C'est clair. Je comprends aujourd'hui. Les gens pensent que, arrêtez ça, dis donc. Moi, je suis marié. Voilà. Ça fait 20 ans que j'ai signé mon acte de mariage. Mais ce n'est pas une fin en soi. Je dois arrêter ça. Voilà. Peut-être que ma femme, ma fille part en mariage. Je la vois, elle a bonne mine. Je sens qu'elle vit au lieu de survivre. Le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Mais il y a des filles qui ne connaîtront jamais le bonheur. Il y a des filles qui ne connaîtront jamais le bonheur. Ce n'est que l'humiliation. La honte. Mais oui. Et c'est dangereux. Quand ton mari est irresponsable, comme j'ai dit là, il n'est responsable en rien. Il veut m'aller dehors avec l'argent qu'il a pris chez toi. Hein. Il va prendre l'argent que tes frères te dépannent pour te donner pour aller chercher une fille et porter la maladie, venir te contaminer. Et c'est quelqu'un. Non, il va vivre pour longtemps. Toi, tu vas mourir. Parce qu'il se repose bien. Il boit son vin, il se repose. Il n'a pas de pression. Il ne pense à personne. Il ne pense à personne. Regardez bien le comportement dans les familles. Vous ne verrez jamais qu'il y a eu un deuil ou bien un quelque chose, il a porté un cadeau. Non, jamais. Il accompagne seulement. Et il a la grande gueule. Voilà. Il a la grande gueule. Parfois, on les accepte parce qu'ils sont chinois. Mais fais attention. Fais attention. Ils ont la grande gueule. C'est les personnes qu'il faut éviter. C'est les gens que s'ils ont les enfants de ta soeur, conseille ta soeur. Prends-moi les enfants là, tu quittes là-bas. Vous avez déjà les enfants. Amène-les à la maison. Il faut qu'il ait une autre éducation. Il faut qu'il ait une autre éducation. Parce que sinon, ils vont te transformer. Parce que quoi? Ce sont tes neveux. Ce sont tes neveux. Évite que tes neveux aient l'éducation de ce type-là. Parce que c'est les gars comme ça demain qui vont en vouloir à tes enfants. Si tu n'arrêtes pas ça maintenant. Parce que tu le veux ou pas, il aura les liens avec tes enfants demain. Et voilà comme ça les futurs bourreaux de tes enfants demain. Donc c'est les gens que il est temps encore pour toi de les prendre de ton côté, envoyer chez ta mère, dis à ta soeur de quitter là-bas. Oh, laisse ça, dis donc. Il ne peut jamais changer. Oh, il va changer comment? On tord le fait quand il est chaud. Il va changer un homme à quel âge? Quand il a 40 ans, 50 ans, tu vas le changer comment? Il va changer comment? Et c'est le genre d'homme, avec le temps demain là, il va commencer à monter ses enfants contre vous.
Et c'est comme ça que ça se passe. Voilà, c'est la fin là-bas toujours. La fin, c'est que quand vous allez abattre le grand travail, si ses enfants sont toujours chez lui, il va monter ses enfants contre toi. On parle parce qu'on a l'expérience. On parle parce qu'on a l'expérience. Et c'est pourquoi on est violent avec certaines paroles. Quand on parle, c'est clair. Chacun a l'expérience en fonction de sa famille et où il vient. Voilà, comme l'autre jour, j'ai fait une vidéo. Bon, mon ami, j'avais des oncles qui étaient les mieux placés. J'étais orphelin. Personne ne m'a tendu la main. Peut-être l'inconnu m'a tendu la main. Ça veut dire, dans la vie, tu peux aider, mais n'attends rien de personne. Mais on est plus mieux qu'on n'attend rien de personne. C'est clair. Est-ce que tu comprends? Voilà. Je préfère aider un étranger même, parfois, qui a de la compétence. Voilà. Aujourd'hui, j'ai compris. Je n'aide plus les gens parce qu'il faut aider. J'aide en tant que bailleur de fonds. Je t'aide en retour. Voilà ce que je veux que tu fasses. Tu suis ma ligne. Parce que quand tu demandes l'aide, ça veut dire que toi, ce que tu as voulu faire, ça t'a dépassé. Maintenant, tu viens pour qu'on t'aide. Et pour qu'on t'aide, tu dois suivre mes directives. Mais oui, on a donné les 5 millions aux gens. On a donné les 2 millions. On a donné les 4 millions. On a donné les 10 millions. Ouvrez les comptes comme ça là. Fais le virement. 10 millions. La suite, c'est qu'on ne voit rien. On n'a rien vu. Donc maintenant là, tu viens à côté de moi. Si j'ai mon argent et que je vais t'aider. Je pense que toi là, voilà ce que tu as toujours fait. Non. La boutique là, laisse ça. Tu vas faire que telle chose. Ah, c'est clair. Bah, il essaie d'aller lui donner ton argent. Et demain, commencer à crier. Voilà. Et parce que si tu aides et que tu ne veilles pas. Et que ça ne marche pas. Demain, on va encore venir vers toi. Et dans ta tête, c'est que quand tu aides quelqu'un, c'est que tu t'es déchargé pour que cette personne évolue aussi en solo maintenant. Et que demain, lui aussi, il aide une autre personne. Voilà pourquoi il y a des familles où le gars s'est épuisé pour rien. Et c'est la honte pour toi. Pourquoi? Parce que, mais comment tu avais l'argent hier? Et dans ta famille, aujourd'hui, il n'y a personne. On se moque souvent des personnes que non, le monsieur avait l'argent hier, il n'a aidé personne dans sa famille. Non, tu n'étais pas là, c'est qu'il ne peut pas parler. Mais c'est qu'il a aidé, mais il n'a pas veillé. Les gens aident, mais ils ne veillent pas. Ils ne veillent pas, ils n'imposent pas. Attendez, j'ai un ami, non? Tous ses frères ont réussi. Mon ami, à l'époque, moi, je l'en voulais. Je dis, mais gars, comment tu aides tes frères? C'est toi qui choisis. Il dit, gars, je suis un bailleur de fonds. Il ne veut pas, il laisse. Que non, lui, il refuse d'aller au Canada parce qu'au Canada, est loin. Il veut qu'il aille en France. Il dit qu'il est malade dans sa tête. Moi, je suis déjà en France. Pourquoi il veut venir ici-là? Qui va au Canada parce que sa spécialité, ça marche là-bas bien. Terminé. Il ne veut pas. Je le cancel. Il bloque d'abord. Il te cancel partout. Mon ami, il te gêne même plus. Pour finir, le petit frère vient. Ok, grand frère, j'ai compris. Même le petit au Canada aujourd'hui. Le petit, c'est un lourd. Il dit que, grand frère, beaucoup de nous avons échoué parce qu'on a manqué de conseillers. Mais oui. Beaucoup de nous avons échoué parce qu'on a manqué de conseillers. Comme je dis parfois, on investit comme si nous étions les retraités. Alors qu'en réalité, on doit investir comme les entrepreneurs. Quand tu es un jeune entrepreneur, comment tu peux porter ton argent? Tu as moins de 40 ans, tu peux construire une maison de 200 millions. Comment? Comme ce que nous on a fait là. Comment tu as moins de 30 ans, tu peux acheter une voiture à 50 millions? Comment? Ma mère, c'est là que j'ai acheté là. J'ai acheté ça, j'avais 25, j'avais 29 ans. Avant ça, j'ai acheté la RAV 4 quand ça venait de sortir, toute dernière là. Avant ça, avec 8 millions. C'est comment? Comment tu peux aller construire une maison à près de 200 millions? Tu habites dedans. Comment? Comment? C'est les erreurs. Ça veut dire, ne commence pas ta vie vers la fin. Commence la vie selon ton âge. Cherche d'abord l'argent. Mais oui, tu achètes un terrain à 50 millions pour construire une maison pour habiter dedans. C'est pas la sorcellerie. Alors que tu es encore jeune. Alors que le même quartier là, tu construis l'appartement là-bas, tu mets en location, ça te donne les 300 000 par mois. La même maison là, tu construis R plus 4 et ça finit, il y a même un reste d'argent. Parce que la maison pour habiter coûte plus cher. Bah, c'est le luxe. Ce n'est pas le coton mis là. Parce que la maison en location, c'est quoi? C'est rien. C'est le mur droit qu'on a coupé, on a fait la dalle, terminé. Tu n'as pas besoin de luxe. Tu n'as pas besoin de mettre les tôles en tuiles. Tu n'as pas besoin de mettre le bois, tout et tout à l'intérieur. Comme... Non, tu n'as pas besoin de tout ça. Mais oui, tu n'as pas besoin de tout ça. Les lambris qui coûtent cher pour rien. Non, mais ça comment? Alors, c'est aujourd'hui que les jeunes construisent les maisons
en mettant les bachots, les staff, tout et tout. Mon ami, les anciens pères là qui ont les maisons, même à Bonapiso, elle est à Bonapiso, elle est ma à quoi? Il y a les maisons là-bas, tu vois, c'est simple. Mon ami, le gars, c'est locataire. Tu veux pas, tu pars. C'est la position qui est importante. C'est quoi j'ai toujours dit. Je peux faire acheter un terrain à 100 millions et construire la maison de 10 millions dedans. Je peux faire acheter une maison et un terrain à 100 millions. Je construis la maison de 10 millions. Mais oui, non. C'est quoi? C'est l'endroit, c'est l'environnement qu'on cherche à un moment de la vie. Ce n'est pas le luxe qu'on cherche. Comme c'était souvent certains gars. Tu vois, un gars pas acheter le terrain, ou bien c'est où là-haut? Il achète le terrain à 5 millions. Il pas construire la maison de 200 millions. Mon ami, tu t'épuises pour rien. Qui t'a même conseillé comme ça même? Qui t'a conseillé, mon frère? On t'a mal conseillé. Achète le terrain à 100 millions. D'abord, c'est l'angle que tu as gardé. Même la banque peut te donner l'argent que finisse, conçu ça, parce que la position est stratégique. Voilà. Mais le même terrain que tu as acheté à 2 millions, là, personne ne va t'aider. Qui va t'aider comment? Qui va t'aider? Parfois, là, tu achètes même, tu n'as pas la chance d'avoir le titre foncier. Donc, voilà, mes chers frères et sœurs. Donc, c'est pour dire que dans la vie, un irresponsable, c'est un irresponsable. Un copain irresponsable, c'est un copain, c'est un futur mari irresponsable. Voilà. C'est la même chose, comme il y a aussi les femmes irresponsables. Mais je pense que c'est l'homme qui transforme sa femme à devenir irresponsable. Parce que tu tapes la main sur la table. Puisque la femme suit souvent l'homme. La femme suit l'homme. Voilà. C'est clair. C'est clair. Comme moi, là, depuis un certain moment, je ne permets plus que tu profites de moi, tu me parles n'importe comment. Depuis que j'ai eu 40 ans, je te permets plus ça. Tu me parles avec respect. Voilà. Voilà. Je suis le père de ton enfant. Tu me parles avec respect. Non, pas n'importe comment. Voilà. Il y a des femmes qui cherchent seulement que le gars accepte que oui. Voici le père de mes enfants. Mais tu as un gars qui est responsable, qui assume ses tâches, qui assume son devoir. Et tu lui parles n'importe comment. Non, je ne permets plus ça. Quel que soit l'amour que j'ai pour toi, ne botte pas en touche mes efforts. Non, je ne te permets pas ça. Voilà, Bilal. Non. Quand on a 40 ans déjà, là, en montant, on n'est plus n'importe qui. Il faut te chanter pour vivre jusqu'à l'âge là. Voilà, c'est l'âge de la maturité. On doit respecter chacun. Le respect est mutuel. Et si tu sais que tu dis que tu es ma femme, avant de me parler ou de faire n'importe quoi, il faut bien réfléchir. Là, je suis comme ça là. Non, bêta, je reste seul dans mon coin. Je n'ai plus les mots de tête, de compris ça. Voilà. On a beaucoup des années à vivre devant nous. Toi, tu me manques le respect. Alors que tu me manques le respect aujourd'hui. Attendez, quand je vais vieillir, tu vas faire comment? Là, je n'aurai plus la force. Même pour supporter les chocs. Les chocs que le cœur reçoit aujourd'hui. Non, on veut dire que je vais mourir. Donc, tu veux me tuer. Donc, tu veux m'adouiller pour me tuer après. Non. Quel que soit l'amour que j'ai pour toi, si tu ne me parles pas avec respect. Et tu es la femme que je monte sur elle. Non. Je me recule. Non. Mais comment tu dois me respecter? Tu dois me respecter quand tu me parles quand même. Ah bon? Comment tu peux dire que tu me mais tu me parles n'importe comment? C'est moi qui sors les coups de la vie, me tape, me cogne par ci, par là. Je reçois les coups. Mais je rentre, tu me parles n'importe comment. Mais non. On a vu nos grands-parents, non? Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est pas facile que les femmes se marient. Non, c'est pas facile. On se marie comment? Parce que tu touches peut-être un peu d'argent, mais laisse ça. L'homme reste l'homme. Tu es un homme travailleur. Le jour que l'homme a sa part, bim, tu comprends le montant, toi, tu as peur. Oui, quand l'homme a sa part, c'est sa part. Voilà, l'homme est là pour les grosses œuvres. Voilà, l'homme est là pour les grosses œuvres dans la vie. Et pour cela, il mérite du respect. Il n'y a pas de vrais hommes, pas les irresponsables. Les irresponsables ne méritent même pas que tu écartes les cuisses. Il y a les hommes que tu dois fermer tes fesses. Il entre un peu, il sort. L'essentiel, c'est qu'il juste, il part, terminé. Mais un homme qui travaille, qui assume, qui respecte ta famille. Non, qui honore tes parents. Non. Il mérite du respect. Chapeau, tu dois ouvrir comme ça tes fesses. Il entre bien dedans. Mais oui, comment vous faites ça? Alors, moi j'ai vu ma grand-mère, non? Ma grand-mère s'est levée le matin à 3h. À 4h, elle arrange d'abord tout. Elle charge le pain. Elle est là partie au champ. Hein. Mon grand-père, là, Baba Zunja, il est géant comme ça en l'air. Un costaud, monsieur. Un géant. Costaud. Ouais, Baba Zunja. On se lève vers 6h.
comme on est en train de partir, on arrive à Ndoum. Vers 8h, on commence le concassa. Ma grand-mère, la maman Bronda, elle est là. Elle est là. Elle fait ce qu'elle a fait au champ. Elle est de son côté aussi là-bas. À petit décor comme ça là. Après vers 16h, elle a pris la route. Elle est rentrée. Ah, quelqu'un m'a dit que c'est l'esclavage. Comment tu dis ça? Mais attendez, c'est toi qui n'es pas esclave. Regarde quel genre de maladie tu as aujourd'hui. Te voilà, oui, ça a 42 ans. Tu as le cancer de l'utérus. Tu as le cancer du sein. Et te voilà, tu vas mourir bientôt. Dit que même avec tout ton argent, te voilà, tu vas mourir. Tu dis que ma grand-mère était malheureuse. Comment? Elle est montée avec ta.